Toutes les idées et les opinions que je pourrais présenter, c'est les miennes. Voilà. Après, je suis ingénieur logiciel, donc moi je suis plutôt un robot qui aime bien le whisky et les saucissons, c'est un fait, mais j'ai des opinions, je n'en ai pas forcément beaucoup. Pour faire simple. Donc ma voix, qu'est-ce que c'est? Ma voix, c'est un collectif qui a pour objectif de faire élire des députés tirés au hasard parmi les citoyens français qui seraient volontaires pour être élus députés à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc plutôt que de se demander comment est-ce qu'on va aller donner la culture du numérique aux députés, on va juste les remplacer. Ce qui est pas mal et peut-être plus rapide. Donc par exemple, demain, voilà, il y a 18 candidats pour la circonscription de Strasbourg qui vont être tirés au sort et il y en aura un qui sera candidat. Ma voix aux élections partielles qui se déroulent à Strasbourg. Donc c'est très concret. Donc le but en 2017, c'est d'avoir plein de députés. Grâce à ce qu'on a fait la dernière fois à l'atelier, on a effectivement pu matérialiser une plateforme de vote qui permet d'avoir des votes anonymes avec des votants réels et distribués sur la blockchain et donc dépouillables. Donc l'hypothétique plateforme de vote évoquée tout à l'heure existe. Elle est libre, elle est en open source, elle marche. Elle est garantie par trois choses, pour en parler rapidement. L'identité numérique, qui est fournie par le gouvernement. La preuve de vote, qui permet d'en assurer l'anonymat. Et la base de données distribuée, donc la blockchain. C'est comme trois clés qui sécurisent chaque bulletin de vote. Et si vous avez seulement deux clés, vous n'avez rien. Il faut les trois. Et l'une des trois, elle est à vous, que pour vous. Et donc, vous pouvez vraiment gérer votre anonymat, votre sécurité. Si vous êtes en sécurité, venez me parler. Ça serait intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est effectivement... l'idée c'est que maintenant qu'on peut voter pour un texte, c'est quand même mieux si on le comprend. Voilà, c'est ma vision des choses. Mais a priori, je pense qu'elle sera rapidement partagée. C'est-à-dire qu'aller voter et s'exprimer pour qu'un député vote la même chose, si on panne rien au texte, ça sert à rien au final. Donc on va travailler, je vous propose de travailler sur ce que j'ai appelé, ce que plein de gens appellent le texte de loi augmenté. Donc l'idée c'est de pouvoir prendre les textes de loi tels qu'ils sont présentés à l'Assemblée, mais de pouvoir les transformer tout en restant fidèle, en ajoutant beaucoup de données par exemple. Un exemple que je donne ici, c'est qu'une réforme fiscale, on va pouvoir vous voir directement, à côté du texte, votre fiche d'impôt directement recalculée en fonction de la réforme. Voilà, ça paraît fou, et pourtant, c'est possible. Donc, c'est une des choses avec lesquelles on pourrait augmenter un texte de loi, et ça veut dire ce que je vais voter ou pas, oui ou non, ça va vous influencer. Donc ça, c'est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Donc demain, le texte de loi augmenté. Merci. Merci, Jean-Marc. Donc vous avez vu que la blockchain, ça fait pas mal, parler d'elle, pas mal de débats aussi, il y a plein de fantasmes qui se créent autour d'elle, donc on va essayer de débroussailler tout ça et de voir un petit peu les liens qui peuvent exister entre blockchain et démocratie. Donc le principe de l'atelier, ça va vraiment être une conversation guidée, orientée, voilà, pour explorer un peu toutes ces les thématiques, donc un peu au-delà du seul vote électronique, qui est un peu la première pierre, mais qui est, à mon avis, pas l'essentiel de la révolution qui peut être présentée par la blockchain. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation orientée, guidée, didactique, pour les gens aussi qui ne savent pas forcément ce que c'est ou pas très très bien, voilà, essayer d'expliquer ça clairement. Et puis également une conversation qui va être orientée vers la formulation de recommandations, puisque, donc, on l'a vu, la semaine prochaine commence l'OGP, donc l'Open Gov Partnership, dont la France va être présidente. Donc, à mon avis, il y a des gens ici qui ont plein de choses à dire sur ce qu'on devrait faire au sein de cette institution. À mon avis, la blockchain pourrait jouer un rôle très important, parce que, effectivement, la démocratie, c'est un régime, mais c'est aussi un mode de gouvernance. Et donc, on va essayer de voir un petit peu comment dépasser le simple système de vote, arriver à voir s'il y a des organisations entières qui peuvent se mettre sur une blockchain, voir quel impact ça peut avoir en termes de représentation citoyenne, donc essayer de mixer ça avec des questions de liquid démocratie et de démocratie un peu plus directe, et puis également aussi parler à destination de l'État et des administrations, parce que ça pose aussi des opportunités assez importantes en termes de réforme administrative. Et donc voilà, on va essayer de faire un tour d'horizon un peu de ces questions-là, d'y réfléchir, de mettre tout ça par écrit, et puis de finir la journée sur 4 ou 5 recommandations, si on peut, assez concrètes, assez précises, qui seront portées par la société civile. Merci beaucoup. Oui. Également membre de BitNation. Pourquoi je vous parle d'interface et de grand-mère? C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart
des interfaces open source sont vraiment faits pour une minorité de gens qui sont capables de les comprendre. Et si on arrive à impliquer les grands-mères dans tout ça, et tout le, on arrivera à voir tout le monde. Et pour y arriver, l'idée c'est en fait d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire de simplifier à la fois le processus, les lois, et de le gamifier pour que ça devienne suffisamment addictif pour que le plus de monde possible contribue. En fait, ça part d'une réflexion toute bête, c'est que aujourd'hui, la plupart des projets open source sont récupérés par Google, Apple, Facebook et Amazon parce que les gens de l'open source ne savent pas faire d'interface, ou très peu d'une manière générale. Et c'est dommage. Du coup, ce que je vais essayer de faire, un objectif de Grandma Interface, c'est de faire une interface open source qui fonctionne sur un principe de multi-slider. En fait, le slider, c'est ce qui sert à régler notamment la luminosité sur l'iPhone. Et l'objectif, c'est donc d'utiliser ça comme interface tactile pour pouvoir sélectionner un certain nombre d'éléments et de traduire de manière visuelle les lois. Concrètement, ici, c'est une manière de traduire visuellement le vol avec violence d'une manière tactile et de faire évoluer les situations. Ici, par exemple, on menace, on blesse, on tue, et en dynamique, s'ajustent les peines de prison, les coûts en termes d'indemnisation, etc. Et en fait, ça revient à générer des données chiffrées à partir d'une interface tactile. Et ça, tout le monde est capable de le comprendre, et ça retire la difficulté de comprendre, de lire les textes juridiques, que ce soit des lois, des décrets ou des contrats. Et l'objectif, c'est de sauvegarder l'une, puis l'autre, en changeant justement via le multi-slider, en changeant éventuellement de pays, d'époque, etc. Et donc ça permet de comparer l'existant, de voter pour celui qui intéresse, et éventuellement de proposer une nouvelle solution qui soit applicable, qui ait une traduction concrète. L'objectif c'est ça, c'est vraiment de simplifier pour que aussi bien ma grand-mère que mon petit frère, que n'importe quel citoyen en âge de voter soit capable de contribuer, pour que ce soit une véritable démocratie, parce que sinon ça revient à une technocratie à divers degrés. Et on est tous, sur un domaine donné, une grand-mère. Voilà. Alors, En fait, le droit est devenu une langue étrangère. On ne sait plus ce qu'on vote. C'est trop long, c'est trop compliqué et c'est assez souvent mal écrit. Le poisson, parfois un piranha, est noyé. Le but est de le sortir du flanc. Comment ? En pratique, un jeu de votation, un référendum permanent, puis quand ce sera fiable, remplacer éventuellement les processus centralisés. Pour que tout le monde participe, il faut comprendre. Pour simplifier, ramener à du concret, du tactile, du visuel. Alors nous avons mimé l'interface et son action pour tenter de la rendre plus claire. Il y a 4 personnages. Une grand-mère qui manipule sur un écran tactile un agresseur, une victime, et également des petits sliders pour choisir l'époque et le pays, et une intelligence artificielle qui fait le lien avec les données légales et permet d'inscrire les votes sur une blockchain.
Donc notre atelier à nous, c'était de voir un petit peu, explorer un petit peu les enjeux croisés de blockchain et de démocratie. Donc on s'était fondé sur deux grands axes qu'on a. On n'a pas eu le temps vraiment de creuser les deux axes en entier, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Le premier, c'était donc en termes de représentation des citoyens, et donc ce que le vote électronique, enfin ce que la blockchain pouvait apporter en termes de vote électronique et de sécurité du vote, de facilité du vote, de transparence du vote, et en même temps essayer de voir un petit peu au-delà. Alors on n'a pas eu le temps d'aborder les notions de liquid démocratie, mais bon... On fera ça probablement dans un prochain Open Democracy Now. On a eu pas mal de réactions. C'était assez animé, c'était super intéressant, surtout sur l'aspect de la réforme administrative, qui est à mon avis un des enjeux clés du développement de la blockchain par l'État. Et qui a fait l'objet de sérieux doutes et de plein de questionnements qu'on s'est empressé de noter là. Donc peut-être on peut descendre un peu pour voir la restitution. Donc on a fait un papier voilà sur en gros en quatre parties principales avec des faits stylisés sur avoir une sorte de tour d'horizon et de coup d'œil. Des infrastructures informatiques qui pourraient être remplacées à terme par une blockchain. Donc c'est très pour l'instant c'est très théorique, mais voilà, on a essayé de réfléchir un petit peu là-dessus. Donc voilà, une analyse, essayer de voir sur une analyse du réseau informatique actuel de l'État, voir où est-ce qu'on peut améliorer des choses, où est-ce que c'est compliqué, un coup d'œil rapide quand même sur l'industrie de la blockchain. Et éventuellement voilà, sur des infrastructures publiques internationales, parce que c'est aussi quelque chose d'assez intéressant que présente la blockchain, c'est cette capacité à assurer de la confiance sur des territoires absolument immenses et qui traversent les frontières. Une deuxième partie, donc on a surtout voilà, listé des grands axes de réflexion en fait, qu'on va essayer de creuser à l'avenir. Deuxième grande partie, donc assez théorique sur les aspects croisés entre la théorie du droit et la blockchain. Donc entre ces deux notions, la notion de smart contract, donc qui est à la charnière du droit et du code, et donc effectivement essayer d'ouvrir sur des institutions sur la blockchain. Et donc il y a des initiatives qui sont portées en ce sens dans une réflexion avec Democracy OS, Democracy Earth aussi, donc qui se portent là-dedans. On essaie de voir aussi des politiques mises en œuvre. Bon, on n'a pas vraiment eu le temps d'approfondir le débat là-dessus, mais voilà, on a bien parlé évidemment de l'Estonie qui fait parler d'elle, qui a un réseau certifié sur la blockchain, où en gros tous les documents qui sont émis par l'État sont en même temps validés sur une blockchain. Donc ça c'est assez important, donc des diplômes par exemple, des actes notariaux, etc. etc. Voilà le Ghana qui commence à être un peu l'exemple marronnier de l'exemple d'un cadastre qui est mis sur une blockchain. Au niveau international, on n'a pas eu le temps, mais il y a aussi des initiatives assez importantes. Une du Forum économique global, notamment, qui essaie d'harmoniser à l'échelle globale des identifiants pour des organismes légaux. Et donc, en gros, essayer de classer et de lister en fait toutes les organisations légales qui existent sur Terre. Et donc, il y a des initiatives hyper intéressantes. Qui vise à justement mettre ce réseau de données sur une blockchain. Et puis voilà, des initiatives européennes aussi qui ont publié des appels d'offres pour développer des projets sur la blockchain et des plateformes de participation citoyenne sur une blockchain à l'échelle européenne, donc qui quand même remettent en perspective un certain nombre de choses. Et puis, voilà, formuler quelques recommandations, évidemment développer une réflexion générale sur les apports de la blockchain pour l'État,
Quelques-unes sont déjà en cours, notamment dans le cadre de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et des consignations. Donc on va essayer de élargir cette réflexion-là au-delà des seuls secteurs financiers. Et puis voilà, quelques autres recommandations, développer des activités d'audit pour les blockchains, savoir si c'est vraiment aussi sécurisé qu'on dit, etc. Et essayer de certifier ça par l'État. Et d'autres recommandations, vous pourrez aller voir sur le pad d'ODN. Voilà. Je vous remercie. Merci.